November 4 ISS, Epic 0 ISS, I read you, very faint, but I read you. Bonjour à tous, oui, je me régale avec les petits plats, effectivement, pas tous les jours, mais de temps en temps, je suis prêt à répondre aux questions, over. Bonjour Loïs, écoute, c'était à la fois plus impressionnant parce que je savais à quoi m'attendre, c'est comme un deuxième saut en parachute, mais j'étais aussi plus relax parce que je l'avais déjà fait une première fois, donc j'en ai beaucoup profité, over. Bonjour Dorian, oui, écoute, c'est comme faire du vélo en fait, c'est, si t'as pas fait du vélo pendant un an, tu remontes sur un vélo, tu vas avoir quelques minutes un peu pour retrouver ton équilibre et ensuite ça revient tout seul, et ben, c'est la même chose de se retrouver dans l'ISS, over. Bonjour Anna, écoute, le plus compliqué c'est vraiment de contrôler, si par exemple tu ouvres une boîte de chocolat, et ben ça va voler dans tous les sens, les choses sont faites au sol ben, pour rester à leur place grâce à leur poids, ben, nous dans l'ISS on n'a pas ça, donc tout ce qui est beaucoup de petits éléments, une boîte de chocolat, une boîte de bonbons ou quoi que ce soit, ou même des choses du travail évidemment, c'est très difficile à contrôler, over. Bonjour Inès, c'est une bonne question. Écoute, sur le toucher, ça change pas grand chose. Peut-être on devient un peu plus, on se déplace un peu plus avec les pieds, tu sais, un peu comme les singes dans la forêt accrochés aux arbres. Donc on a ça qui change. Pour la vue, on a des changements. C'est pas vraiment la pesanteur, c'est les fluides qui se répartissent différemment dans ton corps parce qu'ils tombent pas dans tes jambes, dans tes pieds, ils montent dans ta tête. T'as la tête un peu plus gonflée. Du coup, t'as le nez un peu pris, l'odorat est diminué, la vue peut changer un petit peu. Voilà, il y a pas mal de changements. On s'adapte à la pesanteur. Over. Bonjour Sarah, écoute, non, pas forcément, moi je rêve pas beaucoup, mais tu vois, hier j'ai fait une sortie extravéhiculaire, et en me couchant, j'avais l'impression d'être toujours dehors, en fait, en m'endormant, j'avais des images où j'étais encore toujours dehors, du coup, j'avais tendance à m'accrocher, à pas me laisser flotter pour m'endormir, parce que quand on est dehors, il vaut mieux être accroché, over. Bonjour Sarah, écoute, quelle sorte d'expérience? On en a beaucoup, tu sais, on a des expériences notamment sur les matériaux, pour faire des alliages, tu sais, des mélanges de matériaux, on les fait fondre et on les assemble. On a beaucoup d'expériences de médecine aussi, on a des expériences de biologie avec des plantes ou des micro-vers de terre, des tout petits vers microscopiques, on regarde leur changement génétique. On a toutes les sortes d'expériences, donc c'est très sympa, over. Bonjour Benjamin, en tant que commandant, écoute, quand tout va bien, quand l'équipage est compétent, ce qui est le cas, et que tout le monde tire dans le même sens, il faut s'assurer que tout va bien, il faut faire la liaison entre le centre de contrôle et l'équipage, il faut veiller un peu à l'exécution de toute la journée normale, donc c'est comme un peu un capitaine d'équipe de foot, on va dire. Après, quand il y a des urgences où il faut réagir avec des procédures très codifiées, ben là, c'est le commandant qui prend les décisions et tout le monde exécute, il n'y a pas de discussion. Over. Ah Gabriel, il y a beaucoup de choses derrière le nom de cette mission. Moi, un truc que je trouve très très bien, c'est que c'est la même chose dans toutes les langues, ça existe dans toutes les langues, ça se prononce pareil dans toutes les langues. Donc si tu veux que ce soit en français, en anglais ou partout dans le monde, c'est la même chose. Over. Bonjour Elliot, oui, je fais des choses différemment. Il y a certaines choses, je prends plus mon temps pour les faire. Il y a certaines choses, au contraire, où je vais plus vite. Mais tu sais, ce que j'essaye de faire, c'est d'en profiter un peu plus. La première mission, c'était vraiment, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose, même le week-end, même le dimanche, même le soir. J'avais une liste infinie de choses à faire. Cette mission, j'essaie de me ménager du temps un petit peu pour moi, pour m'en rappeler. Over. Bonjour Liam, oui, on pense à l'espace autour de soi, tu sais, on a bien conscience qu'on est dans le vide et qu'on est suspendu et qu'il faut pas lâcher, ça c'est sûr. Et puis on a, là, pendant cette sortie, j'ai eu le temps, quand j'étais sur le bras robotique, de regarder un petit peu autour de moi, de voir la Terre défiler et de voir d'un côté à l'autre, cette infinité, c'était vraiment, vraiment, vraiment très beau. Over. Bonjour Alaé, écoute, oui, je les apprécie de la même manière. Tu sais, il y a quand même des différences entre la version terrestre et la version spatiale, déjà parce que la version spatiale, il faut qu'elle soit en boîte et qu'elle soit longue conservation. Donc, tu sais, ça change un petit peu la manière dont les ingrédients sont préparés. C'est pas exactement le même goût. Et comme on le disait tout à l'heure, les sens changent un petit peu. Donc, le goût est un petit peu affecté. On aime bien les saveurs un peu plus fortes. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais moi, j'ai eu la chance de comparer les deux. Donc, écoute, je suis très content. Over. Bonjour Elio, ce qui m'émerveille le plus, écoute, c'est l'infinité, le fait que ça soit infini, le fait que ça ait pas de fin, on sait pas l'imaginer en fait avec notre cerveau, on met des mots dessus, mais on n'a pas les concepts, on n'a pas les armes dans le cerveau pour comprendre cette notion d'infini, le fait qu'il n'y a pas de fin en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas câblé pour ça, donc moi c'est ça qui m'émerveille le plus, over. Oui, bonjour Gabriel, merci, c'est sympa. Quel principal conseil? Écoute, je pense qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses différentes, en fait, c'est important. Il faut essayer de bien travailler à l'école, bien sûr, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut faire du sport, il faut être un joueur d'équipe, il faut essayer de voyager, il faut avoir plusieurs cordes à son arc.
Et puis voilà, il faut être européen, il faut parler plusieurs langues. Je pense que ça c'est important aussi. Over. Bah, écoute Adrien, je sais pas si j'aurais une influence sur la jeunesse, c'est des bien grands mots, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est dire aux gens qu'il y a plein d'opportunités et qu'il faut essayer. Moi je viens d'un petit village, je viens d'une famille tout à fait normale, je n'étais pas destiné à devenir astronaute, mais j'ai juste essayé à chaque fois que j'avais l'opportunité d'essayer, de faire des études, devenir pilote, devenir astronaute. Il faut s'inscrire au concours, il faut se lancer, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, la plus grosse censure c'est celle qu'on s'impose soi-même en s'inscrivant pas. Over. La population vit essentiellement quand même le long des côtes et le long des fleuves. Hein. Tu sais, au milieu, il n'y a jamais grand-chose. Et malheureusement, quand on voit la présence de l'homme, on voit aussi les changements sur l'environnement. Et à certains endroits, c'est pas très joli. Donc, écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre conscience et qu'on fera un petit peu mieux dans les années qui viennent. Over. Bonjour Apollonie, écoute, je ne sais pas si on va trouver, mais je sais qu'on cherche en tout cas. Hein. Tu sais, il y a plein de solutions. Il y a des systèmes hydroponiques, il y a des systèmes fermés en autonomie pour que ben, voilà, les plantes nourrissent des petits animaux et que tout ça se produise sa propre matière organique qu'on peut ensuite utiliser. On en aura besoin, c'est ça que je sais. Derrière moi, en ce moment, dans le Columbus, on a une expérience pour faire pousser des plantes avec la lumière rose que vous ne pouvez pas voir, mais c'est dommage, parce que c'est joli. Et en tout cas, on aura besoin de ça pour aller sur Mars et pour aller plus loin. Over. Bonjour Pauline, eh bien, écoute, super transition. En fait, il y a deux choses vraiment dans l'espace. On a besoin d'étudier l'homme dans l'espace, enfin l'humain dans l'espace, pour savoir. Une mission Mars, c'est 900 jours. Hein, donc si on ne sait pas faire une mission de 6 mois, on n'arrivera jamais à faire 900 jours. Donc on a besoin d'avoir des astronautes dans l'espace pour savoir ce qui se passera quand on les enverra sur Mars. Et en plus, eh bien, écoute, on est en train de préparer toutes les techniques, toutes les procédures, toutes les expériences qu'on pourra réaliser. C'est grâce à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS qu'on saura construire les vaisseaux et qu'on saura communiquer, qu'on saura faire tout ça pour aller vers Mars. Over. Bonjour Paul, écoute, plein de compétences, évidemment les compétences scientifiques et techniques que j'ai acquises dans ma formation, je m'en sers tous les jours, même si je ne fais pas forcément les calculs évidemment, mais pour comprendre comment marche le système. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui s'apprend, pas forcément sur les bancs d'école, mais dans les associations, dans les clubs,